Les réactions au discours du président américain sur l'Afghanistan. Donald Trump a annoncé ce lundi que les États-Unis n'allaient pas se retirer, sous-entendu, des soldats supplémentaires seront envoyés sur place. Aussitôt, les groupes talibans ont réagi par communiqué interposé. Tant qu'il y aura un seul soldat américain sur notre sol et que les dirigeants américains continueront à nous imposer à la guerre, nous continuerons notre djihad. Fin de citation. Ils ont ensuite revendiqué un tir de roquette ayant visé l'ambassade américaine à Kaboul. Du côté des autorités, on salue la décision américaine. C'est un jour historique pour nous, a ainsi indiqué le président afghan. Aujourd'hui, l'Amérique a montré qu'elle était avec nous, sans limite dans le temps. Pour sa part, le chef de l'exécutif, ici à l'image, a estimé que la stratégie des États-Unis allait contribuer à renforcer les forces de sécurité afghanes. Actuellement, 8400 soldats américains sont déployés en Afghanistan, essentiellement dans un rôle de conseil aux forces de l'ordre. Cette présence militaire des États-Unis dure depuis 2001. Pour autant, des pans entiers du territoire afghan échappent au contrôle des autorités.